Certains la croyaient finie pour le très haut niveau. À 27 ans, Sophie de Ronchy a démontré toutes ses qualités de puncheuse lors des derniers championnats de France de Rennes. Championne de France sur 200 mètres 4 nages, la nageuse massicoise a réalisé les minima pour les prochains championnats du monde de Barcelone entre le 28 juillet et le 4 août prochain. Une très belle performance qui efface quelque peu la non-sélection de Sophie de Ronchy lors des derniers Jeux Olympiques de Londres. Et c'est une revanche sur la non-qualification aux Jeux Olympiques de Londres l'année dernière. Mais c'est aussi une revanche sur moi-même et sur mon potentiel. Beaucoup se sont dit que c'était fini, que je devenais trop vieille pour faire du haut niveau et que ce serait compliqué. Et j'avais besoin de me prouver à moi-même et prouver à ceux qui m'entourent que rien n'est terminé, qu'avec le travail on y arrive quoi qu'il arrive. Durant l'été, la nageuse massicoise participera à ses 4e championnats du monde. Une preuve de la grande qualité de la carrière de l'Essonienne, qui a pris également la médaille d'argent lors du 50 mètres brasse des derniers championnats de France. Pour l'instant, c'est complètement du plaisir. C'est vraiment un échange avec l'entraîneur qui a énormément évolué cette saison. C'est une autre vision de la natation, une autre vision de l'effort et c'est encore plus de plaisir cette saison. Avec les Tempois Jordan Coelho, l'Essonne pourra compter sur deux nageurs de très haut niveau lors des prochains championnats du monde de Barcelone. Sophie de Ronchy vivra peut-être dans la capitale catalane le crépuscule de sa carrière. Avec la nageuse essonienne, tout est possible.